d'Ivoire, Numérigueule. Une initiation de l'ONG Salam Côte d'Ivoire est un programme national de formation et de promotion de la jeune fille à travers le numérique. Ce programme a été mis en place pour augmenter le taux de participation des jeunes filles au programme de formation numérique. Elle se déroule dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, notamment Katsula, Mans, Yamoussoukro, San Pedro, Boaké et Daloa. La vague de la ville de Boaké se tient du 24 au 28 juillet 2023 à l'EPCT de Boaké. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un projet qu'on a dénommé Ivoire Numérique. Il faut savoir que Ivoire Numérique, c'est un projet de la formation de la jeune féminine que nous avons débuté depuis l'année dernière avec la formation de 500 jeunes filles au plan national, 300 jeunes filles à Boaké et 200 jeunes filles à Kourou. Cette année, nous sommes à la deuxième édition avec l'objectif de former 1500 jeunes filles au plan national. L'attente des jeunes filles venues pour la formation est d'acquérir les notions de base dans les logiciels bureautiques et d'infographie. Je suis ici ce matin pour venir suivre la formation que nous offre Salam Côte d'Ivoire, notamment en Photoshop, Excel, Word et PipeShop. Il est très très important de se former en outils informatiques pour être au même niveau que le monde. J'ai entendu parler de la formation Ivoire Girl Numérique. Certes, j'ai les bases en informatique, mais je suis venue un peu me perfectionner. Photoshop et puis Publisher, j'ai pas vraiment les bases dans ces logiciels-là. Donc j'espère qu'en sortant d'ici, je serai une experte dans ces deux logiciels. Salam Côte d'Ivoire, de sa dénomination par la solidarité et le progrès de la Côte d'Ivoire, est une ONG créée par les jeunes et dirigée par les jeunes qui œuvrent uniquement pour le soutien et l'encadrement de la jeunesse par la formation.